avez vu la 12? C'est un mec ou une meuf? C'est une meuf. Je dirais à 73% autobiographique. Il est très personnel, ouais, c'est sûr. Je pense que de la même façon que quand j'ai fait ma première bande dessinée qui s'appelle Le goût du paradis, je suis allée puiser dans mes tiroirs. Pour ce premier film, il fallait vraiment que quand j'écrive, je me sente ensuite de réaliser de chaque scène et que j'y trouve un enjeu. Enfin, que j'ai essayé de mettre un peu des choses que j'avais très envie de montrer, de raconter, parce qu'il y avait un intérêt ou humoristique ou de malaise. J'ai eu quelques publications dans des magazines et j'ai participé à une exposition collective dans une galerie il y a un an à peu près. Voilà, j'ai mon carnet sur moi tout le temps et je dessine tout le temps. Ok, super. Bon, et sinon, t'as fait du secrétariat? Oui, quand j'étais en Erasmus. Tout le long de l'écriture, en fait, j'étais un peu malade en me disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me lance dans la réalisation ?» Je pense que j'étais super impressionnée. Moi, j'aime beaucoup le cinéma, je vais beaucoup en salle. Et ça me paraît quelque chose de loin, ça me paraissait quelque chose d'infaisable, en fait, de savoir à tous les niveaux prendre des décisions, de bosser avec autant de gens, etc. Mais en fait, ça se fait petit à petit, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a le temps de l'écriture. Et ensuite, il y a le travail de prépa qui est effectivement la première brèche qui s'ouvre sur le fait d'avoir à beaucoup parler du film et à devoir transmettre des choses. Et ça s'affine au fur et à mesure. Mais vraiment là où je crois que ce qui m'a vraiment fait avoir confiance, c'est de m'entourer de gens très proches de moi. J'étais non seulement en confiance, et en plus on se marrait, quoi. C'est ça le truc. C'est-à-dire que vraiment on bossait sérieusement. Enfin, on n'était pas dans l'impro et on n'était pas les mains dans les poches, etc. Mais quand même, on se marrait. Et j'avais toujours de toute façon, de loin, été plus attirée par les climats de tournage à la Chabrol que Piala, quoi. Enfin, clairement, je savais que je voulais pas évoluer dans le conflit. Ça s'est imposé dès le début, le choix du noir et blanc, parce que moi, même dans mon travail en tant qu'autrice de BD, le noir et blanc, je trouve que c'est vraiment très percutant, c'est très glamour, de la même façon qu'une photo, quand on la passe de la couleur noir et blanc, on peut être beaucoup plus satisfait. Il y a un truc sur un jeu qui est permis sur les nuances, sur les contrastes, donc il y avait cette volonté graphique. Quand on vous a... Non, mais peut-être que... Voilà, je suis juste pas faite pour l'amour. Mais tu sais, Sophie, l'amour, c'est pas simplement se faire baiser dans les chiottes. Il va t'arriver plein d'autres trucs, tu vas voir. Ah ouais, mais on baisait pas que dans les chiottes. On a baisé plein de fois chez moi. Et aussi, c'était aussi, une économie de pour ne pas me disperser, en fait, dans tous les choix que j'allais avoir à prendre sur le film. J'avais un peu peur que si la couleur rentre en jeu, que ça fasse carton-pâte, parce que j'aurais pas voulu tel quel filmer un décor. Et il y a des choses de la modernité que je trouve moches. Et j'étais là à me dire, oh là là, ça va être trop d'éléments à contrôler, à manier. Moi, je trouve que ça a énormément de points communs, ouais, parce qu'il y a vraiment ce truc du cadrage et de ce qu'on montre et ce qu'on dit pas, et inversement. La bande dessinée, on ne peut pas être redondant, on ne montre pas des choses qu'on dit, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et moi, c'est en passant par la BD que j'ai vraiment appris le rythme et l'ellipse. Enfin, moi, un storyboard de BD, c'est du montage, quoi. Donc je trouve qu'il y a quelque chose comme ça, mais il y a une forme d'indépendance et d'autonomie en BD qui est vraiment la valeur ajoutée de la BD. Par contre, le bénéfice du cinéma, ça peut être compliqué aussi, mais c'est le fait de travailler avec plein de gens. Je m'en souviendrai toute ma vie, quoi, en fait. S'il y avait la canicule, c'était épique comme tournage. Après, c'est très vorace, cannibalisant, c'est un espèce de grand 8. C'est pas la vie, je veux dire, c'est... Et en ça, c'est assez déstabilisant à vivre. C'est vrai, enfin, c'est... On ressort pas indemne, je pense, d'un tournage ou d'un film, quoi.